Coucou tout le monde. Oui, je sais, ça faisait très très longtemps, très très longtemps. Et je me suis dit qu'il était temps de revenir et de vous emmener aujourd'hui dans la forêt qui est tout tout près de chez moi, juste à côté de chez moi, pour vous parler d'un sujet un petit peu qui se rapproche à ça, d'un auteur qui s'appelle donc James Oliver Curwood. Alors, James Oliver Curwood est né le 12 juin 1878 dans le Michigan. Il y est mort, malheureusement pour lui, 49 ans après, assez jeune. C'était un romancier américain et c'était surtout l'un des maîtres des écrits du Grand Nord, tout comme Jack London, très très connu pour son roman Cro-Blanc. Il a écrit aussi pas mal de romans animaliers, tels que Les Nomades du Nord et aussi Le Grizzly, dont on va parler maintenant. C'est un auteur qui a notamment aussi écrit Les Chasseurs de Loups, je vous en parle parce que c'est quand même un écrit très très connu, qui raconte l'histoire d'un trappeur et de son guide indien. Il est très connu puisqu'il a été édité dans la collection La Bibliothèque Verte chez Hachette. Alors, c'est un monsieur qui a commencé sa carrière de journaliste en 1902. Qu'il a interrompu alors qu'il était rédacteur en chef en 1907, puisqu'en 1906, un an plus tôt, il a voulu commencer à écrire des romans. Seulement, il ne pouvait pas conjuguer les deux à la fois, il a fallu qu'il fasse un choix. Donc il présenta sa démission de rédacteur en chef pour se consacrer donc à l'écriture, donc comme je disais, en 1907. Un peu plus tard, il se met dans l'écriture du Grizzly, donc le Grizzly, qui paraîtra en 1916 dans sa première version, et aussi qui est adapté en 88, il me semble, par Jean-Jacques Haneau, sous le titre L'Ours, que vous devez, je pense, connaître, puisque c'est un film d'aventure animalier qui est très 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 connu. Ce roman raconte l'histoire d'une amitié entre un grizzly et un ourson orphelin, orphelin de 3 mois. Ça se passe au nord du Canada, dans les montagnes rocheuses, à la fin du 19e siècle. Malheureusement, leur amitié va être quelque peu perturbée par deux chasseurs qui clairement veulent la peau de l'adulte, donc du grizzly adulte, pour la revendre, hein, évidemment. À un moment de l'histoire, et d'ailleurs ce moment est très très bien retranscrit dans le film, je vous mettrai l'extrait en barre d'infos pour que vous puissiez jeter un coup d'œil si vous en avez envie. Donc à un moment de l'histoire, l'un des chasseurs qui s'appelle Jim va tomber clairement sur l'ours et va être totalement désarmé face à lui. Il n'a pas d'arme, c'est un homme face à une bête de plus de 300-400 kilos. Il est acculé puisqu'il ne peut pas reculer, il ne peut pas fuir. Et alors que clairement il le pourchasse depuis des semaines pour le buter, l'ours va se mettre devant lui, le maintenir en respect, lui faire comprendre que devant lui il n'est clairement rien, pour lui tourner le dos et s'en aller. Cet événement dans la vie de ce chasseur a été très marquant puisque après cela, après cette aventure, après ce fait saisissant, il rentra donc dans la hutte de chasse et regarda toutes les peaux qui s'étaient déjà entassées grâce à ces chasses. Donc, hein, et il se rendit compte que, en fait, ce n'était pas de la chasse. Ce qu'il osait appeler chasse était en fait une barbarie sans nom. Et il décida à ce moment-là d'interrompre cette activité et de laisser la nature à elle-même et la nature tranquille. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est là où je voulais en venir, c'est que ce moment intense et terrifiant que vit ce chasseur, qui est apparemment purement fictif, est vraiment arrivé à l'auteur. Il est vraiment arrivé à James Oliver Curwood. En effet, lors d'une chasse, puisque quand il était plus jeune, il chassait beaucoup, ce dernier a été tenu en respect par un grizzly qui clairement a fini par l'épargner après donc lui avoir fait comprendre, tout comme dans le roman, qui était le plus fort des deux. Il lui a simplement tourné le dos, il est parti. Cette expérience,
qui marquera à jamais l'auteur, Kurud donc, lui dictera ces quelques mots qui sont quand même assez forts. Il marqua dans une préface de l'un de ses livres « Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie. » De ce fait, grand chasseur dans sa jeunesse, parce qu'il chassait vraiment beaucoup, hein, il est devenu un ardent défenseur de la nature, un militant pour l'environnement, et surtout, un grand défenseur de l'idée que la chasse doit être au mieux limitée. Contrairement à d'autres auteurs comme Jack London, hein, puisqu'ils étaient dans la même mouvance tous les deux, comme je vous l'ai dit, Kurud avait une vision très optimiste de ces contrées. Là où d'autres voyaient dans la nature une occasion de l'exploiter, d'en faire un outil, lui a fini par y voir une occasion de se recueillir et de contempler. Il avait une pensée très écologiste du monde, et surtout de par cette rencontre avec cet ours, il a fini par ouvrir les yeux et acquérir une véritable empathie envers les animaux.